on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Go en couple avec Blondie. Coucou. Qui m'a fait le plaisir d'accepter. Le cadeau d'anniversaire. C'est ça, on tourne ça le jour de mon anniversaire. Qui m'a fait le cadeau d'anniversaire d'accepter de passer dans une vidéo Pokémon Go parce qu'elle n'est pas non plus extrêmement fan. Ouais. Elle n'est pas tombée dans la hype, on va dire. Oui. Nous avons Saradine en caméraman et il est minuit et demi. J'ai pas de montre, mais c'est pas grave. Je crois qu'il est minuit et demi. Donc on va faire une petite vidéo de nuit parce que en fait on était sortis et on a trouvé plein de Pokémon cool et on filmait pas. Du coup on s'est dit allez on ressort et on va essayer de voir ce qu'on peut trouver dans les rues de Lille. On va aller dans le vieux Lille pour ceux qui connaissent. Enfin voilà, on va essayer de vous filmer ça et de trouver des trucs assez sympas. C'est parti. Ouais. Let's go. Bon donc comment ça va s'organiser? Clem va jouer avec le téléphone de Saradine pour un peu lui améliorer ses niveaux parce qu'il est niveau 8, ça va. Et moi je suis niveau 18. Alors je voulais vous montrer quand même les Pokémon que j'ai capturé tout à l'heure sans filmer. Je suis tombé sur un Krabos. Enfin voilà, complètement pété un Krabos. Et je suis tombé aussi sur un Crustabri. Donc c'est juste trop cool. Et c'est voilà, on va voir si on va trouver d'autres Pokémon. Toi t'aimerais tomber sur quoi? Un Salamèche? Ouais. Un Evoli? Ouais. T'as l'air convaincu? Ouais, totalement. Voilà, elle est totalement convaincue. Bref, on va se balader et on va voir sur quoi on va tomber. J'ai aussi pas mal d'œufs qui vont éclore, donc ça devrait être sympa. J'ai eu un ratata. Yeah. Défilé Pokémon Go, saison été 2016. Je viens de lui attraper un rapace d'épic. Voilà, c'est cool, hein? Bon, je vais pouvoir faire évoluer mon Misterbe. Je suis assez content. J'ai eu un Misterbe dans un œuf juste avant qu'on démarre la vidéo. Ce qui m'a donné suffisamment de points et donc on va passer sur un petit Ortide, ce qui est plutôt pas mal et ça devrait me donner normalement pas mal de points. Donc voilà, un petit Ortide qui a je sais pas combien de PC d'ailleurs. On va voir ça tout de suite. Mon bonhomme il avance tout seul alors qu'on n'avance pas. What the fuck. Déjà il est inscrit dans le Pokédex, ça c'est cool. Bah non mais c'est vrai. Et il a. Eh ben je sais pas combien il a de PC. Il a 527 PC, c'est pas trop mal. Oh. J'ai mes œufs qui éclosent, je devrais en avoir pas mal normalement. Alors, c'est des œufs 5 km. Tu paries sur qui? Et c'est un Ponyta. Eh, ça m'en fait deux. Est-ce que je devrais pas pouvoir avoir un Galopa? Et non, mais encore un comme ça et on sera bon. Et est-ce que j'en ai un deuxième? Eh ben non, pas tout de suite. Mais un Ponyta, c'est cool. Moi, je suis désolée, mais je peux pas marcher en regardant mon écran et en regardant la route, hein, c'est pas possible. Je suis désolée, mais je comprends les accidents. L'habitude. Mais je comprends qu'il y ait des accidents en même temps. T'es tellement concentré sur ton truc, tu vois pas où tu marches. Ok, alors donc là, cette fois on est bon, il devrait y en avoir deux d'un coup et peut-être même deux autres derrière. Là maintenant je prie pour un Ponyta en fait, parce que je pourrais avoir un bon gros Galopa. Toujours à 9,5 km et c'est un Tentacool. Ça fait plaisir. Ouais non, ça fait pas plaisir du tout. Toi ça bug? Ça fait plaisir. Ah, faut redémarrer la vie. Et donc le deuxième. Et le deuxième c'est un Starry. Je suis très content là actuellement. Je suis. Ah non, Starry en fait, je suis à un d'avoir un Staros. Alors, troisième œuf. Je devrais pouvoir avoir un Staros, ça va être trop cool. C'est un Psychopoak. J'ai très aquatique là, ça fait plaisir. Clem, souris. Mais le jeu il fait que bugger, ça saoule. Le gros plan. Bientôt marié. Ouais, j'ai vu la vitrine en même temps. Elle est à combien? Je sais pas, mais... 1540 euros. Combien? 1540. Bah, je vais continuer à faire des vidéos Pokémon Go. On va faire quelques OP les gars, si ça vous embête pas, je pense que vous pouvez comprendre là. Hey. Je vais me casser la gueule. Il s'est réveillé pour une fois. Et en fait, j'ai deux Starry. Donc, je transfère un Starry. Petit cours. Tu transfères un Starry. Et comme ça, tu fais évoluer l'autre en Staros. Et donc, on a un Staros, encore un Pokémon que je n'ai pas, qui devrait nous rapporter pas mal, et qui devrait avoir pas mal de PC. Et voilà, nickel. Donc, on va voir combien il a de PC. Inscrit dans le Pokédex. C'est chiant qu'on puisse pas passer ça par contre. Et il a, ils disent pas, il a 900 PC. Eh, c'est mon troisième meilleur, pas mal, bien content. Allez. Ouais. Un recoups. Il vient de se faire agresser par un. Ça marche. J'ai foncé dans une porte, voilà, je regardais pas où je marchais. Voilà, merci Cipano. C'est le risque de Pokémon. Et un roux carnage, comme ça. Non, pas le Pokéstop. Roux carnage, j'ai dit, s'il vous plaît. C'est pas mal ah, quand même. Moi aussi, je
Alors, ceci dit, je... 500 PC. Ceci dit, je l'ai déjà, mais bon, pas dégueulasse. Je vais y arriver. Il veut pas prendre le regard. J'arrive pas à l'avoir. J'arrive pas, il est trop loin. T'es dessus, mec, on te voit. On te voit, mais j'arrive pas à l'avoir, putain. J'arrive pas, il est trop loin. Père, on y croit. 2, 3, yes, c'est bon. Et j'ai claqué toutes mes Super Bowls. Mais c'est cool, un petit roucarnage. Oui, faut le vouloir, mais ça fait plaisir. Plutôt cool. Ok, je vais tenter un truc que j'ai pas tenté depuis ma toute première vidéo, c'est un combat d'arène. Je m'étais fait exploser la dernière fois, d'ailleurs ça m'a un peu traumatisé. C'est pour ça que j'en ai jamais refait, donc on va le tenter. On est parti. Donc roucarnage contre roucarnage, go. Faut spammer comme ça? Ouais, faut spammer, c'est un peu bizarre. Ok, le premier on le défonce. Le premier, on y arrive. On y croit. Alors après, je crois que son plus fort est plus fort que le mien, mais... Il y a un bordeur de rose. Ça pourrait le faire. C'est pas grave. Je suis déjà maqué. Le deuxième, on se fait alto. Alors là, par contre, ça va être beaucoup plus chaud. Oui, il me défonce. Potentiellement le faire quand même, parce que j'en ai plein derrière. Faut espérer. Normalement, mon deuxième terminera nos sphères alto. On y croit. Mais peut-être ma première arène. Ok, je suis mort. J'envoie à Quack. Donc ça, c'est mon meilleur, très clairement. Ok, lui c'est fait, il reste plus qu'un. Vas-y, appuie. Elle appuie. Hé, t'as fait un truc là? Je sais pas, moi j'ai juste appuyé. Hein. Je crois que. Ah là, ça va mieux là. Ça va tout de suite, ouais, beaucoup moi, mieux. C'est quand même de conseiller, hein. Non, mais t'inquiète, c'est son dernier. On va y arriver, les amis. Je crois qu'on va y arriver à la première arène que je fais. Vas-y. Ok, c'est à moi. Go. Allez, termine-le. Donne tout ce que t'as. Par contre, j'avoue que c'est un peu chelou comme façon de combattre dans Pokémon, mais. Bah ouais. On aime bien. C'est lent dans les jeux, c'est. C'est tour par tour. Attaque, ok, je suis mort. Mon dernier, mon Staros qu'on a eu tout à l'heure, allez, vas-y. Ah, il est lent à attaquer par contre. C'est pas grave, ça va le faire. Ouais, c'est bon. Là, on le tient. Allez. C'est gagné, nickel. Bravo, tu as gagné. Niveau de là, c'est un niveau 1. On peut remarquer que nous sommes à l'Opéra, qui est juste derrière. On est à l'Opéra Lille. Et en fait, on gagne de l'XP, je savais pas. C'est trop cool, on gagne de l'XP, je savais pas. Oui, c'est ma première arène, je suis niveau 18, tout va très bien. Eh bien, on y va. Et donc, du coup, là, tu t'es battu contre quelqu'un en vrai ou... C'est quelqu'un qui avait mis ses Pokémon, oui. Et du coup... J'ai pas moyen, genre, de récupérer l'arène, normalement. Faut que tu la rebattes une fois. C'est vrai? C'est une blague. Pourquoi faut que je la rebatte une fois? C'est vrai? Ouais. Ah ouais, je vais le refaire, je vais soigner les Pokémon. Oh non. Il bourrine. Je bourrine. Oh, je peux me déplacer. Vas-y, esquive. Mec, il est. Esquiver? Je vais apparemment. Je découvre des trucs. Et je suis en train de le défoncer. Non, pas de le défoncer, mais. On est en train de lui tenir alors qu'on a quand même beaucoup moins de points que lui. Attends, là, vas-y, on tente un truc. L'ulti. Voilà. Nickel, ok. T'es bien quand même, tu vois. C'est pas grave. Go. Voilà, nickel. On l'a gagné. Et donc l'arène est blanche, c'est bon, donc je vais pouvoir m'y installer normalement. Attendez, on va peut-être revive mon Pokémon. Et ça se passe comment en gros, le Pokémon qui est à l'arène, je fais quoi après? Genre je peux plus m'en servir du coup? Non, tu le mets et tu peux récupérer des pièces d'or. Et je peux le récupérer quand je veux si je veux? Bah tu le récupères une fois qu'il est mort. C'est sympa. Et genre toutes les 24 heures tu peux récupérer des pièces. C'est une blague! Y'a quelqu'un qui s'est déjà posé? Y'a quelqu'un qui vient de se poser à l'instant! Vas-y, je le défonce, j'ai rien à foutre. Okay. C'est bon là. Ok! L'arène est à moi. Donc je devrais pouvoir en mettre d'autres. Et je passe niveau 19. Ce qui est plutôt cool en soi. Alors attends, est-ce que. Eh, y'a d'autres gens! Regarde, y'a d'autres gens qui ont mis leur. Leur Pokémon déjà? Ouais. Les gens sont débarqués, hein, je vous le dis. Ok, bon bah. On aura réussi notre arène. C'est cool. On va sûrement bouger maintenant. Y a plein de gens qui... Tu sais, je filme ça aussi. Ça va bien. Y a plein de gens qui sont venus mettre leur Pokémon. Team Bleu représente la meilleure team, évidemment. T'es Team Bleu? Non. T'es Team quoi? Jaune. Ouais, vas-y. Team Jaune, on s'en fout. Ok, on est en voiture, on va pas tarder à s'arrêter. On va juste faire un petit tour, voir si on trouve pas des choses cool, parce qu'on avait trouvé des choses vraiment cool en se baladant avant de filmer en début de soirée. Voilà, et puis nos œufs vont sûrement éclore vu que là on est vraiment à la toute fin des pas. Donc on vous tient au courant. Ok,
Bon, on s'est garé pour allumer la lumière dans la voiture anglaise de Saradine. C'est ça, ma voiture anglaise. Non, la caméra est inversée si jamais. C'est pour ça que vous le voyez conduire de l'autre côté. Et Clem est là, là. Bonjour. Voilà. J'ai un œuf qui est clos. Si ça pouvait être un Ponita, ce serait trop cool. Pour avoir le petit galopa. Et c'est un... Oh, un rhinocorne. Ma classe, mec. J'en avais pas. Je suis jaloux. J'avais pas de rhinocorne. C'est trop cool. T'as même pas le seul vu dessous, là. Clem, est-ce que tu jalouses? Non, tu jalouses pas. Et il y en a un autre. Et l'autre, c'est un. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ratata. Oh, un neuf, j'en ai pas non plus. C'est trop cool. En fait, c'est pas Copenhague. C'est pas le palmier, ça? Si, si, si. C'est la sous-évolution du palmier, comme tu dis. Bon, bah, bien cool. Et encore un. C'est la folie. On continue, même. On continue. Ouais, je me souvenais même plus. Il y a un Magikarp à côté, je le vois. Et c'est un. Un aspicot. Sérieux? Chenipan. Ah non, oh, chenipan, pardon. Un chenipan. Alors, et encore un. Non, mais. C'est quoi tous ces œufs? Tu t'en souvenais vraiment? Mais non, mais je crois qu'ils étaient pas affichés. Et c'est un. Et c'est un Voltorb. J'en ai déjà un. Mais celui-ci doit me rapporter pas mal de points. J'ai. Ouais, 30. 30 points, c'est cool. C'est bon là? Là, je crois que c'est cool. C'est bon. Bon, je vais m'attraper ce petit Magikarp. Et puis. Pardon? Vas-y, refais le nom. Ça va, ça va. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Non, je peux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vas-y. Poissy, je sais pas si on l'aura entendu. Sarah. Poissy, poissy. Est-ce qu'il me reste des œufs? Il me reste. Ouais, mais des œufs qui écloront jamais aujourd'hui. Donc voilà, donc bon, on va faire sûrement éclore les œufs de la Saradine. Ouais. Voir ce que tu vas avoir. On va se balader toujours pour voir ce qu'on trouve. Il y a plein de gens dans le parc, ça se voit. Il y a des leurres et tout. Ouais. Et ensuite, on pourra mettre un terme à la vidéo. Donc à tout à l'heure. Ok, on a un œuf de Saradine qui éclot, vas-y. Qu'est-ce que ça va être? C'est un combien? Un 5? Ouais, 5. Et c'est un. Et c'est un. Et c'est un. Y'a rien. Et c'est un Topiqueur. Ouais. Tu l'avais pas? Non, je l'avais pas. Alors, t'es content? Bof. Pas très content du Topiqueur? Non, pas très content du Topiqueur. Bah, mec, c'est le seul Pokémon rare qu'on a eu de la soirée. On en a eu des biens aussi? Bah, toi, parce que j'ai eu que des Roucoules et des Ratata. Ouais, bof. Hein. C'est vrai que j'ai eu des Pokémon qui étaient plutôt pas mal. Et encore, beaucoup dans les œufs, encore une fois, je me rends compte que c'est surtout dans les œufs. Enfin bon, du coup, il t'en reste un. Ouais. Et ensuite, on pourra conclure cette vidéo. Et le moment tant attendu. Le deuxième œuf. Le deuxième œuf qui est un. Également 5 km. Oui. Et c'est un. C'est quoi ça? C'est une illusion? C'est un Paras. Ah, c'est un Paras, ok. T'en avais des Paras? Non, jamais. Bon, bah voilà, il n'avait pas de Paras. Trop triste. T'es sûr? J'aime pas ces Pokémon. C'est pas rajouté dans la liste. Ah bah, tu devais en avoir un, hein, mec. Peut-être qu'elle te l'a capturé. Ah oui, non. Peut-être. Alors que le focus ne se fait pas. Bref. Bah voilà, c'était cool. On va se retrouver pour conclure cette vidéo. On va se retrouver pour conclure cette vidéo sûrement dans un endroit un peu plus lumineux. A tout de suite. Bon, voilà les gens, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ça aurait été sympa. Merci. Ouais. Merci de m'avoir accompagné. Ça t'a plu? Ouais, moi ça m'a convaincu que ça me plairait pas. Donc au moins ça s'est fait. Vous me demandez pas de faire des vidéos là-dessus, c'est mort. Voilà, donc voilà. Combien de pouces bleus pour que tu reviennes? Dans quoi? Dans une vidéo Pokémon Go? Oula, 1 million? Raisonnable. Tout à fait. Non, raisonnable. Ah, raisonnable. 10 000? Voilà. Voilà, donc à vous de voir, voilà. Peut-être qu'elle reviendra à 10 000. Et viens derrière la caméra toi aussi pour te remercier quand même. Ah, je suis en train de me faire piquer par les moustiques. Le mec qui fait les flashs. Ah, c'est moi. Ça va. Il hurle, il est plus de 2 heures du mat, tout va très bien. Ouais. Bref, donc merci les gens d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. On vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Pokémon Go ou sur d'autres trucs. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao. Bisous.